Et Ortiz est en train de devenir la 42e victime. Quelle sérénité. Regardez cette flûte droite de Mayweather qui part tout de suite. Et boum, et qui touche. Alors que pendant ce temps-là, la main avant d'Ortiz est passée à côté. C'est précision. Quatrième reprise avec un championnat du monde WBC des poids welter qui pour l'instant est dominé par Mayweather. Lui qui se trouve ce soir dans la peau du challenger. Ça s'enchaîne. Oh là là, oh là là, oh, oh. Faut pas qu'il se laisse toucher comme ça. Et il est resté bien bas quand même, il est resté bien compact en défense. Ortiz, il valait mieux hein, parce que là, c'était une graine de coups de Mayweather. Quelle tornade et une vitesse d'exécution impressionnante. Appuie toujours avec un équilibre parfait dans le geste. On a souvent cette expression pour Mayweather, hein. Le ring c'est sa cour de récréation. Et on a l'impression encore que ce soir, il s'amuse bien. Le percut, le crochet du gauche pour Floyd Mayweather. Ortiz qui avance encore. Et oui, qui touche maintenant à son tour. Voilà, ça c'est bien. Et il faut ça, Ortiz, il faut ça. Oh oui, encore. Et Mayweather qui n'arrête pas à chaque fois de lui dire non, non, non. Non, pas mal. Ouais, il essaye de désamorcer. C'est vrai qu'il paraît absolument pas touché, hein, de toute façon. On peut pas dire parce que pour l'instant, Ortiz n'est pas à sa distance pour vraiment faire mal. Mayweather, si. Toujours pareil, la souplesse, les esquives de Mayweather. Yannil, les attaques d'Ortiz. Et toujours la tête dans le creux de l'épaule pour amortir le choc. Ah, il faut bien ça là, il faut bien tous les Mexicains du MGM pour encourager Victor Ortiz. Parce que pour l'instant, il est largement dominé dans cette première partie de ce championnat du monde. Donc il arrive à travailler à l'intérieur, Victor Ortiz. Encore une droite de Mayweather. Les deux hommes n'ont pas les mêmes jambes, ça c'est sûr, ils ne sont pas portés pareil. C'est la grosse différence aussi. Voilà, voilà la réaction d'Ortiz. Touché. Une vraie réaction de Victor Ortiz. Oh là, attention. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait Victor Ortiz? Il a frappé après le break, monsieur. Je conteste qui a demandé. Ah non, le coup de tête. Il a mis un vrai coup de tête à Mayweather. Et du coup, on va lui retirer un point. Un point de pénalité. C'est pas possible, il est KO. Il est KO. Oh, c'est terrible. Incroyable, c'est terrible. A priori, il n'était pas revenu dans le combat. Pas du tout. Victor Ortiz ne s'attendait pas à ce que son adversaire, comme ça, le frappe alors qu'il venait juste tous les deux de faire un geste d'amitié. Et Floyd Mayweather a frappé immédiatement. Et oui. Il faudrait revoir l'image. Je ne sais même pas si M. Cortés avait vraiment donné un signal clair de relance du match. C'est fou ce qui s'est passé. Ah, c'est terrible parce que Victor Ortiz, on avait l'impression qu'il s'en est voulu de mettre un coup de tête à Mayweather. Il s'est excusé 4 fois. Et à partir du moment où il fallait reprendre le combat, Mayweather, il a déploté. Il avait les mains levées. Oh, c'est toujours dans le flou. Ah, il a pris une série là. Crochet du gauche-droite. Ça a été terrible. Terrible. On savait depuis le départ, on dit elle serait exceptionnelle, elle l'aurait été jusqu'au bout parce que c'est rarissime ce qui s'est passé.
Donc là, regardez, Ortiz, hop, avec le coup de tête derrière. Ça va pas bien pour Mayweather à ce moment-là. Oh, ah oui, oh oui, c'est le vrai coup de tête volontaire. Donc là, Joe Cortez. Mais regardez, Joe Cortez ne les regarde pas. Il est là, il regarde à côté. Il regarde à côté, et ben voilà, il n'a pas relancé le combat, Joe Cortez. C'est clair, c'est net. C'est bien ce qui nous a semblé quand même. À ce moment-là, il regarde le superviseur de la réunion, mais il ne relance pas le match. C'est hallucinant. Hallucinant ce qui s'est passé. Ça veut dire que Floyd Mayweather... Et on voit même Victor Ortiz regarder Joe Cortez. Voilà, Joe Cortez s'adresse voilà, à un des juges. Hop. Mayweather. Et il regarde du coup. Victor Ortiz prend un premier coup, il regarde Joe Cortez en disant mais qu'est-ce qui se passe? Le combat n'a pas été relancé. C'est fou. Alors je sais pas ce qui va. WBC welterweight champion of the world, Floyd Money. Champion du monde WBC des poids welter, Floyd Mayweather reste invaincu. 42e victoire en autant de combats. Je n'ai pas relancé le combat. Arrêtez, c'est pas bon. Comme il n'y a pas eu d'arrêt. Nouveau champion du monde. Jean-Paul, on va écouter l'interview de Floyd Mayweather. Ortiz de nouveau qui vient féliciter Mayweather.